Bonsoir et bienvenue à cette réunion du conseil du régulière du 7 décembre. Je vous demanderai un moment de silence, s'il vous plaît, avant la réunion. Merci. Comme je vous disais, bonsoir et bienvenue à cette réunion régulière du 7 décembre 2015. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 2 novembre. En 4, suivi aux procès-verbaux municipaux et MRC. En 5, période de questions. En 6, administration générale, 6.1, séance du conseil 2016. 6.2, avis de motion, règlement, imposition des taxes 2016. 6.3, taux d'intérêt arriérage 2016. 6.4, rémunération 2016. 6.5, permanence Édith Blanchette. 6.6, plan triennal de répartition, commission scolaire Côte-du-Sud. 6.7, ristourne assurance. 6.8, affectation budgétaire. Au point 7, sécurité publique. 7.1, renouvellement entente Croix-Rouge. 7.2, demande info Saint-Albert. 7.3, municipalité de Tourville. 7.4, municipalité de Sainte-Félicité. Au point 8, transport. 8.1, demande éclairage public. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, et budget régie intermunicipale. 10, santé et bien-être. 10.1, budget OMH 2016. Au point 11, loisirs et culture. 11.1, offre de services, office du tourisme. 11.2, réponse à la demande du club motoneige. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, liste des permis. Au point 13, finances. 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, et invitation à l'office. 14.2, consigne Yoko. 14.3, maison de la famille. 14.4, téléphonie cellulaire. 14.5, représentant communauté, conseil d'établissement. 14.6, fondation services de santé. 14.7, souper bénéfice. 14.8, école Saint-Joseph. 15, tour de table des élus. Et au point 16, ajournement de l'Assemblée au 21 décembre à 19h. Ça prendra un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Francine, appuyée de... Marlène. Au point 3, adoption du procès-verbal du 2 novembre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal? Oui. Est-ce que c'était conforme? C'est conforme, on a un proposeur. Jean-René et Luc. Merci. Suivi au procès-verbaux, est-ce qu'il y a des questions sur le municipal ou MRC? Propose. Appuyé de. Je pense qu'on. Oui. On prend-tu un. Procès-verbal, ça a déjà été fait. C'est déjà été fait. Okay. Merci, Jean. Au point 5, période de questions pour le public. Bonsoir. Moi, ma première question, M. le maire, à soi, ça s'adresse à vous. Oui. Je voudrais savoir, quand vous avez décidé de changer les questions en premier, pourquoi ça a été pendant nous? Oui. Je voudrais savoir le pourquoi que vous avez mis ça en premier. Bien, écoutez, nous, on avait pensé que la période de questions, beaucoup de gens, des fois, ils ne veulent pas se payer toute la rencontre. Puis on sait que des fois, les gens ont des occupations autres le lendemain. Fait qu'on s'est dit, peut-être les gens vont peut-être venir puis poser les questions au début, puis ils vont pouvoir se retourner chez eux, puis ça va être peut-être un avantage, peut-être avoir... Nous autres, on pensait peut-être avoir un peu plus de monde, là, mais c'était la raison pour ça. Ben, en tout cas, de toute façon, j'ai fait le tour. Il y a juste un parti, puis les questions sont dans... Oui, c'est un... Assemblées que juste à... Il n'y a pas juste des assemblées de conseil que vous... Il y a des assurances, ça fait de même. Oui. Période de questions, en dans... C'est juste un pamphlet de questions, que les questions sont dans le premier. Oui. Si vous
C'est-tu parce que vous voulez passer vos affaires et que je revienne après, là? L'autre mois, ça va être passé, là? Non, il n'y a pas... C'est pas... T'as pas la question pour tout. On sait que les gens sont capables de garder les questions en banque puis venir nous les reposer le lendemain. Oui, c'est une décision. Il y a même des conseils, madame. Il y a du monde qui vient avant, mais ils viennent jamais après. Oui. Juste vous dire, il y a des fois, il y a des endroits, je connais, qui ont deux périodes de questions, une à la fin, une au début, puis une à la fin. C'est que quand... C'est-tu vous-même qui avez décidé ça? Non, ça se fait ailleurs. Saint-Anne de la Bocatière sont exactement comme nous autres. J'ai parlé à quelques-uns, mais c'est des questions... Oui, c'est ça. Il y a des places où il n'y a plus de période de questions. Oui. Rivière-du-Loup, c'est fini. Ah oui? Bien sûr, j'ai pas de nouvelles, moi, là, quelques temps, là. Ça c'est encore pire que Nawa. Ouais. C'est plus drastique un peu. Il me semble que c'est un manque. Je ne sais pas si c'est Rivière-du-Loup, mais ça ne devrait pas exister. Non, mais. C'est non, c'est bien. Les gens méritent d'avoir la parole. Parce que vous autres, vous dites, c'est facile pour vous autres de passer ça. Il n'y a jamais personne qui nous cite, il n'y a pas d'opposition par bien. Oui. Mais là, les gens ont la chance de venir comme vous, comme d'autres personnes. Ils ont la chance de venir nous voir, pas de problème. Bon, la deuxième question, vous m'avez tantôt parlé pour les décorations de Noël. Oui. Je me suis aperçu cette année qu'à Saint-Pantin, il y avait plus de décorations que les autres années. Oui, oui. Et je voudrais savoir le pourquoi. C'est un souhait que quelques personnes avaient fait. Puis c'est des gens que... Bien, aux côtés de la. Ici, devant l'église, on me disait tout à l'heure que c'était les gens de Floralie qui avaient mis la main à la porte, qui ont fait les dessins, ils ont fait les bonhommes, ils ont fait les. Puis ils ont de la récupération de plantes. Fait que c'est eux qui ont décidé de faire cette année-là. Le comité Floralie, c'est le comité que vous avez donné des subventions. C'est avec l'argent que vous donnez. Non, vraiment, l'argent... C'est l'argent qui sort de leur poche. Non, récupéré. Non, c'est de la récupération qui a été faite dans toutes sortes de plantes, comme vous voyez. Les bonhommes, ils ont dessiné sur du matériel qu'il y avait déjà. Dans le parc, le jardin des Marguerites, qui a été récupéré un arbre qui vaut à peu près 200 $. Oui, mais comme je vous dis, peut-être c'est de la participation de tous ces gens-là. Là. Je ne veux pas... La participation avec quel argent? Nous, ça ne nous a pas coûté le char, hein, ça n'a pas coûté de frais de plus. Non, c'est Comité Floralie qui leur donne de l'argent. Oui, on donne de l'argent pour l'aménagement pour les fleurs à l'été, là, au printemps. Je pense qu'on voit un peu les factures et tout ça. Je pense qu'il En cours d'année, pour le Comité Floralie, il y avait une subvention aux organismes, je pense que c'est 200 ou 300 piastres. Oui, c'est vrai, tu me fais penser. Vous me parlez d'un arbre dans le jardin des Marguerites, il y a un arbre. Oui, j'ai vu moi aussi, ouais. Vous avez raison. La décoration est très vite. Ouais. Je voudrais savoir comment c'est sa première année. Ça fait 20 ans que je suis à Saint-Anthony, ouais. Sa première année, il y a une décoration dans le jardin des Marguerites. Oui, c'est vrai, vous avez c'est raison. Vous avez raison. Il y a eu une demande, puis dans la subvention aux organismes, le comité Floralie ont fait une demande, puis ont eu un certain montant d'argent pour l'aménagement des décorations de Noël. Au même titre qu'on donne avec les organismes. OK. 2015. C'est sûr que le maire précédent, il avait sorti 15 000 piastres la première année, 20 000 piastres la deuxième année, puis le dernier de l'année, ça doit être cette année. Vous parlez de? Le maire précédent, quand il avait quitté, il avait sorti 15 000 $ la première année, la deuxième année, un autre 20 000, et la troisième année, 20 000. Pour payer... Ben, pour aider les... Les subventions aux organismes. Subventions aux organismes. Oui, ouais, ouais, ça c'est ça. C'est ça. Oui, mais on a plusieurs organismes là, qui ont ces frais. Même vous allez en... Oui, c'est 12-15 cette année. Fait que, c'est ça. Ben, moi, j'ai bien pensé que je suis sûr et certain, les décorations, c'est peut-être qu'ils l'ont mis un peu plus dû au départ de Mme Dupont. Non. Non, je pense pas. Non, ça n'a pas c'était été déjà un point, prévu, non, ça. Je dirais, ils n'ont pas fait l'année passée, mais cette année, ils voulaient mettre de l'emphase pour faire la... Oui, mais c'est sûr qu'ils ne diront pas. Mais c'est quoi? Oui, parce que c'est quoi? Parce que là, ils n'ont mis plus que d'habitude. Oui, c'est bon. Oui, peut-être. Est-ce qu'on... C'est quand même notre argent. Oui. En avant d'église, je ne sais pas si qui avait ça, mais c'est vraiment beau. En avant d'église? Les cannes, là, qui sont... Hey, arrêtez-moi ça, c'est beau. Ben non, c'est pas beau. Ça dépend du goût. Oui, c'est ça.
C'est les. Le grand poignet là-dedans, c'est des clôtures en neige qu'on voit, là. Comme vous dites, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas là, ça. Là, vous prévoyez un quatrième fleuron, si vous continuez de même, vous l'aurez pas. Peut-être, là. Vous avez peut-être raison. Vous êtes mieux de changer d'idée, là. Peut-être. Et comment vous allez mettre de l'argent pour avoir un quatrième fleuron? Est-ce que vous en donnez des critères? Non, on n'en mettra pas plus qu'on en mettra. Je vais avoir une période de questions. Oui. Bien, une période de questions, Marlène, mais j'avais des sujets aussi. Oui. Parce oui. que là, on paye dans le vide, là. C'est des bénévoles qui ont fait ça, madame. Oui, des bénévoles. On en fait tout du bénévole. Moi-même, on en fait du bénévole. On en fait de tout le temps. Mais ça paraît pas, le bénévole qu'on fait. Donc, on calcule juste le bénévole qui paraît. On va prendre votre commentaire, madame. Faut que ça s'écrit avec la lune. Hein? On va prendre votre commentaire, puis on va en tenir compte, puis on va regarder. Et à la date d'aujourd'hui, là, avec tout ce que vous avez fait, madame Dupont, que plus ça nous a coûté, nous autres, là, rendre un hommage à une personne qui était malade, qui était rendue d'un CHSLD, qui n'a même pas eu connaissance de rien, vous avez fait faire une balançoire de 500 $. À même pas 8 heures de se balancer bien. Non, mais c'est, la balançoire est pour les gens. Notre argent, non? Non, mais la balançoire, madame, elle était pas pour madame. Elle était un aménagement qu'on a mis de plus dans le parc. Là, c'était oui, je sais. C'est mis parce que c'est des gens du comité de Floralie qui me l'ont dit. Mm-hmm. Et la journée que vous avez faite, le 11 juillet, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Oui, il y avait pas mal de monde. Elle est décédée le 11 août. Pensez-vous qu'elle avait connaissance? C'est pour... Si vous êtes supposé rendre hommage à quelqu'un, attendez pas qu'elle s'est rendue à la dernière extrémité. Au moins qu'elle ait connaissance. Oui, on va prendre votre commentaire, mais moi, je peux vous dire que souvent, si vous remarquez bien des choses, les hommages se font souvent quand la personne est décédée, malheureusement. C'est ça on le point. On était chanceux, on a eu le temps de faire avec la décision. On était chanceux, oui, puis non, mais moi, je voudrais savoir comment ça nous a coûté, nous autres, à la ville, pour avoir rendu un hommage. Vous, je l'ai dit à la télévision. Parce que qu'on voit, c'est Mme Dupont, c'est quand même j'aurais été décédée. Donc, la photo qu'on a vue au début, là, une petite musique calme, puis les affaires de même, des musiques de salon mortuaire, du moins, ce qu'ils ont fait là. Elle n'est même pas encore décédée. C'est beau, madame. On va tenir compte de votre point de vue, c'est certain. Ben, c'est vrai. Oh. Ben, la balançoire qui est là est accessible à toute la population. Oui, je sais, tu peux aller te balancer. Mais vous auriez dû la faire à peine, tant qu'elle avait 80 ans, vous auriez dû la. Il est rendu hommage à 80 ouais. ans. Un peu plus, elle était là. Elle aurait pu être présente. Non, elle était dans le même bâtisse que ma. Elle était un peu plus, elle était présente. Une journée ou deux avant, elle était présente. Bon, et c'est là, bon. Sa maladie. C'est beau, fait, merci. Fait... Merci, madame. Oui, oui. Non, mais. C'est beau, là. Vous dire, c'est une question. C'est beau pour les fleurs, là. Puis tout, c'est une question. S'il veut y avoir des idées, là, Sylvain Pelletier, je peux lui en donner. Pas de problème. Les critères de Saint-Jean-Pont-Joli, moi, puis je sais que ça. Faites... Je ne sais même pas si on a eu le quatrième, les autres. Là. Faites-lui en part. Non, on les connaît, les critères pour avoir un quatrième fleuron. Vous êtes, vous pouvez être sûr de ça. Bon, mais moi, j'ai à propos des faux sceptiques, j'ai une question à vous poser. Parce que j'ai eu affaire à M. Francis Dayancourt, puis vu que j'étais au téléphone. Il m'a dit, il m'a demandé si j'étais pas chez vous quand j'ai passé pour poser votre faux sceptique. Mm-hmm. Alors, c'est-tu possible que vous avez fait de suivre un cours pour qu'il vienne poser notre faux sceptique? Et à quoi ça sert poser le faux sceptique? Bon, ça, c'est des renseignements de plus que la personne qui fait le vidangeage va tout de suite, il va pouvoir suivre ça sur une tablette comme ça, qui va pouvoir voir l'emplacement où aller la fosse, pourquoi la chercher. Il n'y a pas besoin d'avoir de photos, il faut casser les ouvertes, la fosse sceptique. Oui, mais il y a des, je vais vous dire qu'il y a des gens qui, souvent, ils n'arrivent pas, puis souvent, elle n'est pas bien placée pour être vue. Fait que, tu sais, ça, je peux vous le confirmer, il y a des gens, là, qu'ils ne la voient pas, là. Y a-tu juste appris ça, lui, là? Non, ça fait partie. Vous auriez pu prendre n'importe qui, là. Ça fait partie de son travail, un plus de son travail. C'est un complémentaire à son travail. Je ne sais pas pourquoi ça fait poser une fausse sceptique, là. On va prendre votre commentaire. C'est un renseignement de plus. Ça va aussi qu'on s'écoute? Non. Non? Je ne veux pas avoir... Parce que là, vous auriez posé les étangs qu'il y a dans le rang des Gonlions. Aussi que vous vous écoutez, vous autres? Oui. Dans l'arrière des Gonlions. Ça fait que vous êtes plus en ordre que nous autres. Mais ils ont-ils tout posé, faux? Ouais. J'imagine que si. Dans le dossier, tout simplement. S'il change, mettons. Dans le dossier du contribuable. S'il change comme de chauffeur. Votre maison est posée, elle est dans le même dossier. J'ai regardé même encore vendredi avec Richard. Le bâtiment secondaire, la maison, ça fait partie du dossier du contribuable. Je ne dis pas que c'est un mauvais règlement, c'est un bon règlement parce qu'il y a du monde qui ne l'avait jamais. Ah oui. Mmh. Mmh. Mais quand vous payez, là, vous payez. Quand vous allez passer le contrat, vous payez une fois pour 5 ans. Vous dites? Vous payez ça pas tous les ans, vous payez ça
On paye ça l'année qui passe. Oui. L'année qui passe ou si vous, payez pour 5 ans? Au deuxième. Non. On paye à l'ARC en fin de compte. C'est ça. Comme ça, il y en a une, vous ne payez pas, mais on paye quand même. Okay, oui, parce qu'on répartit la facture sur 2 ans. Sur 2 ans. En tout cas, de toute façon, j'ai voulu le calcul, ouais. Moi, là, puis je sais comment ça a pu, ça marche. Oui. Mais je n'ai pas besoin de dire de montant dans le dépôt. Oh. Le montant est public, madame, du vidangeage, il est public. Tout le monde paye le même montant. Bon, le mois passé, je vous ai pris, vous êtes supposé sortir 50 000 $ pour le parc industriel. C'est pourquoi, c'est pour une nouvelle industrie ou... Un ingénieur, vous allez payer un ingénieur 50 000 pour le faire. Non, c'est pas 50 000, ça, on peut vous dire. C'est, ben, dans les travaux. C'est 16 000 plus. Oui, mais au total, ça va totaliser entre 50 et 60 000. C'était déjà prévu au budget. C'est des exigences. C'est des exigences du ministère de l'Environnement pour pouvoir avoir les autorisations. Exactement. Éventuellement de mettre les services dans ce secteur-là. On n'a pas le choix. Ça fait d'années que ça dure, et ça ne dure pas. Il n'y a plus d'autres développements, madame Couette. Il n'y a plus d'autres nouvelles industries. Non, on travaille là-dessus, là, mais c'est comme pas évident là, de faire venir. Mais on fait des offres, puis on fait de la publicité, puis on fait des contacts pour voir si on peut essayer de faire venir une nouvelle industrie pour... Oui, mais le 50 000 que vous dites, que vous offrez quelque chose, même, vous prenez... La bourse. Oui. La bourse, 50 000 que vous prenez où? Il fait partie du budget de l'Assaut Dispo. Il est dans les fonds de l'Assaut Dispo. Les fonds de l'Assaut Dispo prennent l'argent. C'est subventionné en partie pour la ville, à environ 30 000 par année. Puis le reste des montants se sont accumulés par rapport à des souscriptions qu'ils ont eues au début. Oui. Qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent et des gens qui ont prêté de l'argent et qui n'en prêtent encore sans frais. Oui. Fait que les revenus d'intérêt de ces prêts-là font un revenu pour la Sodispo. Oui. Et aussi, la Sodispo est propriétaire du 32 et du 99 industriel. Puis ces revenus de location-là qui sont à Mébec, bien, sont à profit aussi. Mmh. C'est ce qui constitue les fonds de ce dispo. Il y a une autre question que je pourrais poser. Là. Je vais la poser à Mme Bogo. C'est pour la maison d'Hélène. Mmh. La maison de Fendi d'Hélène. Mmh. Parce que c'est toi qui étais sur le projet. Es-tu avec elle commencé la maison? Non, je pense pas. Parce qu'il y a Mme Morin qui est venue ici, qui avait demandé 75 cents pour l'hôtel Dieu de Lévis, pour la radiothérapie. Oui. Moi, je trouve que c'est utile peut-être les deux, mais je trouve que c'est utile. Mais parce que vous avez coupé la 45 cents. C'est super, vous n'avez pas d'argent ou pas, vous n'avez pas voulu. Non, c'était le budget qu'on s'est donné pour ce projet-là. C'était simplement, si vous avez vu dans les journaux, à peu près toutes les municipalités ont donné, n'ont pas donné le 75. Oui, mais c'est ça. Mais nous autres, on s'est occupés et on a décidé que ça allait être 45 cents. Je trouve que j'aurais été capable de donner 75 cents parce que la radiothérapie, c'est pas pour la fin de vie, c'est pour faire vivre une personne plus longtemps. Non. Mais tandis que la maison d'Hélène, c'est bien quand même, mais c'est pas tout le monde qui peut aller là. C'est gratuit. Ça va, gratuit, mais... Ça va être enfin... C'est considéré comme gratuit, mais ils demandent des fonds à l'après. Après, moi, j'ai pris mes informations là-dessus, je pense que ça n'a pas été bien... Tant que la madame est venue présenter son projet. Son projet, là, elle n'a pas tout dit. Mais je sais qu'après, là, tant que la personne est décédée, ils demandent un don à la famille. Oh, c'est sûr. C'est peut-être une demande. C'est pour ça que je dis que c'est d'arrêter plus utile de donner 75 cents à l'hôtel de Lévis. Continuer à vivre 2 à 3 ans. Puis. Bon, on va prendre votre. Ce que vous nous dites. C'est votre opinion, puis on la prend, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, OK, c'est tout pour ce soir. Merci, Mme Lisotte. Monsieur Daniel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, bonsoir. Merci de me recevoir. Moi, ça serait quelques suggestions. Oui. Si ça prend des questions, je n'ai pas de trouble avec ça, je peux la formuler autrement. J'aimerais vous parler un petit peu, peut-être, on parle souvent de sécurité, et puis peut-être d'embellissement aussi. Oui. OK? Bon, je parcours quelques routes au Québec, j'ai vu plein de choses, je pense que ça peut... Je vous transmets mes idées, si, si c'est prenable. en parlant de sécurité, pourquoi que, c'est sûr, c'est des projets pour peut-être l'été qui s'en vient, à chaque stop, chaque arrêt stop de rue ou même au coin des rangs, pourquoi qu'on ne mettrait pas une bande de 18 pouces blanche pour signifier que l'arrêt est là? Je pense que ça sécuriserait peut-être les piétons
au centre-ville et tout ça, parce qu'il y en a qui font les stops un peu plus longs des fois. Ouais, c'est une suggestion. Deuxièmement, on pourrait aussi peinturer des bandes orange ou jaune là où il y a des trottoirs continus. Il n'y a pas de trottoir, on n'en mettrait peut-être pas, mais ça inciterait encore les gens à passer au bon endroit, plutôt que de passer un peu partout. Ouais. Ça sécuriserait peut-être les piétons encore, puis ça inciterait les gens à faire plus attention, puis ça fait aussi de la couleur à l'été, l'hiver, on les voit moins, mais ça fait aussi un peu de couleur, ce qui fait que des fois, ça, on veut embellir notre ville, ça peut être des petites choses comme ça. Troisième chose, on a une belle hôtel de ville, qui est super belle au centre-ville, mais quand on arrive du Rang-Double, ou qu'on arrive principal nord, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mur de blocs de ciment en arrière. C'est sûr, il faut que ça soit bloqué ou on voit de la machinerie. On pourrait planter peut-être une headset des pinettes en zigzag. Et si ça prend trop de place pour le stationnement, il y a des grimpants. Il y a des plans de grimpants. Je pense que ça ferait un arrière-plan pour l'hôtel de ville. Ça le mettrait encore beaucoup plus en valeur. Oui. Encore là, pour nos visiteurs aussi. J'ai beaucoup de choses qui ont trait à la route. On voit souvent des villages relais. Oui. Si on part de Saint-Jean-Port-Joli, on va vers la Beauce, il y a Saint-Pamphile qui est à peu près un gros village. Après ça, il y a quoi? Il y a peut-être Sainte-Justine ou Sainte-Justine, oui. Sainte-Justine? Je ne sais pas à qui m'adresser, mais d'entre vous, mais pourquoi qu'on ne serait pas un village relais? Je pense que ça prend quatre choses pour un village relais. Il y a des critères. De la restauration, de l'essence et des toilettes, je pense, tout simplement. Je pense que ça serait une bonne chose. Et puis, s'il y a des panneaux en prenant la 204 en partant à Saint-Jean, bien, les gens peuvent dire, regarde, on a un point de chute là-bas, il y a des services, il y a tout. Encore là, si on veut amener du tourisme ou embellir notre coin aussi. Ça avait déjà été demandé, Daniel, mais ils nous avaient pas accepté. Non. Les raisons de ça étaient quoi? Je me souviens pas par cœur, là, mais ils nous avaient pas accepté. Il semble qu'on avait C'est marqué dans les villes, quoi, que ça marqué dans des pliants, tout ça, que c'est un village relais. On a ça sur la route un peu partout, quand il y a un village plus gros, ou 4-5 villages, exemple. On pourrait peut-être vérifier. On voit aussi, si on se promène en province, tu vois au lac Saint-Jean, tu as la route du Fjord, la route des baleines sur la côte nord, la route des frontières qui vont à Esco. Ça aussi, je ne sais pas qui s'occupe de ces dossiers. Non. Ça pourrait être la route 204, ça pourrait être la route des défricheurs, la route des frontaux, je ne sais pas quel autre nom, peu importe. Là. Ouais. Encore là, on parle de tourisme. Moi, je travaille dans le tourisme. Ouais. C'est des choses peut-être qui peuvent inciter les gens à venir, puis peut-être garder un beau souvenir. Là, ça va coûter un petit peu plus cher, par contre, là. Quand on se promène le soir, même dans le jour, mais le soir, c'est encore pire. Entre la première rue et le salon de quai, c'est sûr qu'il n'y a pas de trottoir. C'est-tu dans vos projets? Ça serait peut-être plus sécuritaire parce que les gens marchent dans le chemin. Oui. C'est sûr qu'il n'y a rien eu encore, mais c'est encore là, c'est peut-être de suggestion. Non. Ça inciterait peut-être les gens à marcher sur le trottoir plutôt que de marcher dans le chemin. Oui. Parce que... Question de sécurité. On parle de sécurité, c'est ça. Oui. Dernière chose, après ça, c'est tout. J'avais déjà parlé, Mario, on avait dû être voir un moment donné, j'avais parlé de la routière au coin du Rang du Nord. Oui. Il y a un terrain là qui appartient, c'est sûr, à quelqu'un, mais qui n'a rien à faire avec. Ça serait, il y a deux entrées qui sont déjà existantes. Oui. Ça pourrait faire une belle halte routière à l'entrée du village. Je ne sais pas si le ministère des Transports nous autoriserait à sortir sur la 204 comme ça, mais ça sera c'est peut-être à vérifier. Si on verra la possibilité, les montants. Je suis sûr à ça, mettre quelques tables de pique-nique, peut-être même deux ou trois petits foyers bien ancrés parce qu'ils partent au vent. Là. On est sur le bord des. Mais, sur le bord de la rivière, ça pourrait être agréable des fois. Ouais. Puis ça fait une belle porte d'entrée c'est aussi. C'est où tu vois ça? Je... L'ancien croche. L'ancien croche à Boutou. Dans le petit bout de toile. Juste là, pas loin. Là. Je sais qu'ils ont creusé il y a deux ans. Là. Oui. Ils ont enlevé un petit peu de boisé. Oui, oui. Ils ont enlevé une calvette qu'il y avait là, mais exact. Il y en reste deux. Oui. Ça pourrait être une entrée et une sortie. Mais voilà, c'était à l'approche des fêtes. C'est le cadeau de mes idées. Merci de vos suggestions, Daniel. Ça vous intéresse. C'est le fun, c'est parce que ça donne des idées. C'est une suggestion. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'intérêt que tu portes à la municipalité en même temps. Là. Merci à vous tous pour la période des questions. Au point 6, administration et règlement,
6.1, séance du Conseil 2016. Et bien, c'est pour faire part officiellement des réunions du Conseil. Par le consigné du directeur général et la subdite municipalité, que le calendrier de séance du Conseil pour la prochaine année 2016 est fixé comme suit. Les réunions se tiennent à 20 heures le lundi, sauf pour les rencontres de septembre qui se tiendront le mardi. Et les dates sont du 4 janvier, 1er février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1er août, 6 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. Ça prendrait une proposition pour accepter cela. Jean-René, oui. Francine. Au point 6.2, avis de motion, règlement, imposition de taxes 2016, bien vous savez, on ne pourra pas passer au côté. Il y aura des taxes encore cette année. Et c'est pour un avis de motion pour l'imposition des taxes pour 2016. On prendra un proposeur. Marlène? Merci. Au point 6.3, taux d'intérêt arriérage 2016. Après discussion, le conseil a décidé de garder le même taux que l'an passé, qui est de 10 %. Si vous êtes tous d'accord pour les arriérages, Simon propose, appuyé de Clermont. Merci. Rémunération 2016. La rémunération des élus et des employés de la ville sera de 2 %, Charles, qu'on avait dit. Ben, c'était l'inflation plus un demi pour cent, sauf avec un minimum de 2 %. Fait que cette année, c'est le minimum qui s'appliquerait. Et aussi, par la même occasion, je dirais quelqu'un me propose pour les vacances des employés. On se disait que les employés avaient 2 ans. Et puis, ça prenait 5 ans avant d'avoir une troisième année. Nous, on serait d'accord pour dire, ça va être 2 semaines, mais toutes les années qui s'additionneront auront une journée de plus par année supplémentaire pour atteindre le Pour les deux prochaines années, il reste à 2 semaines, c'est-tu ça? Non, ils partent à 2 semaines. Ils partent à deux semaines, après ça, c'est 2 semaines plus une journée, 2 semaines plus 2 jours, 2 semaines plus 3 jours, jusqu'à 3 semaines. Oui, c'est ça, jusqu'à temps qu'il y a 3 semaines. Si vous êtes d'accord, Luc, appuyé de Simon. Merci. Au point 6.5, permanence de Mme Édith Blanchette, eh bien, on est rendu à la période... probation, son six mois est fait. Et si Richard nous donne ses appréciations, s'il nous confirme? Ben, je pense que le mandat qui a été donné a été rempli. Évidemment, le mandat n'est pas nécessairement léger, là, non. Mais la période d'apprentissage a été quand même bonne là, pour 6 mois. Là, parce qu'évidemment, on n'a pas fait le tour d'une année, là, mais... Pour la période d'apprentissage qui est faite à l'heure actuelle, le travail a été accompli. Là. Si vous êtes d'accord pour la permanence d'Édith. Oui. Francine, appuyée de Marlène. Merci. Plan triennal de répartition commission scolaire Côte-du-Sud. Eh bien, c'est comme à tous les ans, la commission scolaire nous envoie leur plan triennal de la répartition et les destinations des immeubles de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Si on regarde le tableau qui nous est envoyé, pour nous, à Saint-Pamphile, l'école de Saint-Joseph, il n'y aurait pas de changement. On prévoit cette année des élèves, 178 élèves, et en 2018-19, 183. Alors, pas vraiment de baisse là-dessus. Et l'école La Rencontre, pour 2015-2016, on prévoyait 244. Et pour 2018, eh bien, vous voyez, ça reste à un élève près de ce montant-là. Alors, c'est vraiment un statu quo pour les prochaines années. Dans notre région, il y a seulement peut-être une école, comme je pense Saint-Marcel, peut-être en 2017, il y aura peut-être des problèmes là, si rien ne change. C'est ce que je peux voir, le choix. Hein? Ça prend un proposeur pour confirmer que vous êtes d'accord avec la répartition pour notre secteur, évidemment. Oui, c'est supposé. Luc, appuyé de? Francine.
Francine. Francine. Merci. Au point 6.7, ristourne des assurances, c'est un communiqué qui nous fait part de la ristourne pour la municipalité, de la mutuelle des municipalités du Québec. Pour nous, cette année, la ristourne sera de 6 615. Richard, il nous envoie... Ils ne peuvent pas diminuer notre assurance avec ce montant-là. Il faut que nous envoient un chèque. Nous envoient toujours un chèque parce que la ristourne, c'est toujours annuel, décidé à chaque dépôt de billet. Mais je peux vous dire d'avance qu'il va en avoir une l'année prochaine. C'est parce que nous autres, on renouvelle en octobre. Le paiement en novembre. Mais à l'heure actuelle, il va en avoir une l'année prochaine, mais pour l'instant, ce n'est pas le montant. Hein. OK. Ça veut dire que pour nous autres, au niveau du volet fidélité, excusez, c'est 2579. Puis au niveau du volet performance, bien, c'est la différence. Là. Oui. Total de nos sinistres au 31 décembre 2014 était de 1590. Fait qu'on n'a pas eu beaucoup de sinistres, évidemment. Fait que c'est ça qui fait qu'il nous retourne 4036 au niveau de la performance, puis 2579, bien, ça, c'est réparti à tout le monde. Mais le volet performance est quand même le double presque pratiquement en montant, pour un total de 6615. C'est 120 000 qui est marqué là, c'est depuis le début, ça? C'est nos contributions. C'est nos contributions pour... Ça doit être... Ça, c'est-tu 2 ans ou 3 ans? Non, c'est 120 000, le total des primes. Depuis 2011. Oui, hein? C'est ça. Ouais, total des primes, il est marqué que vous avez versé. 2011, 2012, 2013. 120 000. 3 ans. Puis sur 3 ans, on a eu 1590 de sinistres. C'est quand même pas pire. Fait qu'on est dans le bon client au moment où on se parle. Espérons que ça continuera. Là. En proposant. Non, c'est juste une information. D'information. OK. Au point 6.8, affectation budgétaire, je vais laisser Richard vous faire part de cette. Bon, il y a deux affectations. Une qui, on avait prévu au début de l'année l'acquisition du camion au niveau de l'incendie, le camion de... Puis, considérant qu'on va avoir les soumissions juste le 18 décembre, bien, il ne sera pas acheté, évidemment, en 2015. Mais pour en assurer le versement, le paiement en 2016, bien, on va faire une affectation du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté. Okay. De 275 000, qui était la prévision de l'année 2015, pour garantir le paiement du véhicule. Puis après, dans l'autre affectation, c'est au niveau de l'infrastructure, de développement d'infrastructure, la continuité de la rue Antille, plus les subdivisions dans le parc des maisons mobiles, pour 20 000. L'hygiène du milieu, c'est l'équipement qu'on a acheté pour les coûts du réseau d'Aqueduc et d'égout, le suivi de l'Aqueduc et d'égout. Puis le parc équipement outillage, c'est qu'on avait décidé d'acheter l'ensemble des pots à fleurs, parce qu'on avait budgété juste une partie. Ouais. Ça fait qu'il y a un 4 000 qui est affecté là. À partir du budget d'incendie véhicule, évidemment, qu'il y a du 44 000 qui ne sera pas dépensé. OK. Donc ça, c'est pour régulariser la partie budgétaire, tout simplement. On aurait un proposeur ou affectation budgétaire. Simon, appuyé de... C'est bon. Jean-René? Oui. Excuse-moi. Oui, pas de problème. C'est aussi fort que moi, Jean-René. Au point 7, sécurité publique, 7.1, renouvellement de l'entente de la Croix-Rouge. C'est nous faire part de notre contribution que l'on doit payer pour l'entente avec la Croix-Rouge canadienne. Pour nous, c'est un per capita de 15 sous. Par habitant, ce qui représente 395 $ et 25. Ces gens-là sont près de nous lors de sinistres, chars et tout. C'est ça. Lors de sinistres majeurs ou mineurs, même pour un incendie de la résidence, ils vont intervenir. Puis dans des catastrophes, évidemment, ils interviendraient aussi. Là. OK. On prendrait un proposeur pour le renouvellement? Clermont, et de Luc. Merci. Au point 7.2, demande info Saint-Albert. Comme on avait signalé aux municipalités qu'on voulait se désister de l'entente d'incendie. Et Saint-Albert nous a répondu aussi, mais elle voudrait savoir en même temps
On les a dit le taux de nos coûterait, comment coûteraient nos pompiers. Et, mais eux, ils voulaient s'informer s'il y a des choses à changer. Les autres conditions. Les autres conditions sur les véhicules, les équipements. Fait que je pense qu'on va leur retourner l'entente qu'on avait proposée avec les. Moi, montants. Je pense qu'on va repasser la résolution, si vous êtes d'accord, de l'entente précédente. Simplement les montants qui pour la rémunération des pompiers. Les pompiers. OK. Fait qu'il s'agirait de passer une résolution pour leur confirmer qu'on est prêt à signer l'entente s'ils sont d'accord avec sont le d'accord tarif, avec le reste de l'entente. Il n'y a pas changé. Il n'y a pas changé, ça va rester le même. Je prendrai proposeur, Simon. Oui. Marlène. Au point 7.3, municipalité de Tourville, c'est l'entente d'aide mutuelle. C'est la réponse à notre lettre qu'on avait fait part aux municipalités. C'est qu'ils nous disent, considérant que la Ville nous avise qu'elle désire mettre fin à l'entente d'aide mutuelle de protection incendie, approuvée par le ministère des Affaires le 14 janvier 92, et qui prend échéance le 14 janvier 2016. En conséquent, le conseiller, René Jonca, appuyé de Mme Édith Mercier, résolu unanimement que la municipalité accepte le retrait de la Ville de Saint-Pamphile à l'aide d'aide mutuelle pour la protection de l'incendie, et aussi que le conseil de la municipalité de Tourville demande à la MRC d'intervenir dans ce dossier, car celui-ci concerne le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Saint-Félicité, c'est exactement la même chose. Et ouais, au point 7.4, municipalité de Saint-Félicité, c'est exactement la même demande qui est faite, qui recommande que la demande soit portée à la MRC pour considérer le dossier. Ça veut dire que c'est la MRC qui va décider du nouveau taux? Bien, présentement, c'est que nous, on avait dit qu'on voulait... oui, on était prêt à renouveler l'entente, mais au prix coûtant de nos pompiers. Ça, c'est officiel, puis on a toujours dit que ça allait être ça. Je pense que eux, c'est sûr que si on met fin à l'entente, vous savez que chez moi d'aménagement, ils viennent en prendre une. Il faut qu'il y ait beaucoup de travail qui va être refait. Hein, et tous les délais, les ententes, puis tout ça, ça va être tout à reconsidérer. Fait que là, présentement, à la MRC, c'est qu'ils vont faire le tour des services de pompiers pour voir un peu est-ce que le taux qui était suggéré. S'il était vraiment adéquat à ce qui est présentement, la situation des pompiers et tout ça. Fait qu'ils vont faire un tour de ça, puis ils vont nous revenir avec ça, voir un peu qu'est-ce qu'il en est des salaires des autres pompiers dans les autres municipalités. Après ça, bien, ce sera à nous de dire si oui ou c'est non. Je pense qu'on on va attendre la réponse de la MRC à ce sujet-là. Que ce soit équitable, genre, les salaires. Oui, c'est ça. Pas payer pour aller travailler. C'est ça. C'est ça. Et, écoutez, je peux comprendre, mais des fois, les pompiers qu'on a ici, mais travaillent aux usines. Et on est chanceux que les usines acceptent de nous les prêter tant qu'il y a un incendie. Je pense que les pompiers, je pense qu'ils méritent. Ils ont suivi des cours, ils ont mis du temps. C'est du temps. Puis je pense que ça mérite un salaire. Et je pense que ce qu'on demandait est raisonnable, je pense. Ça nous coûte ça. Fait que, puis en respect avec Saint-Omer. Saint-Omer, on a une entente avec nous, qui paye des frais au tout. Fait que, écoutez, la dernière entente de 92, les pompiers gagnaient 12,11 $, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, $. Que, écoutez, on est loin. Là, on n'a plus un pompier qui travaille à ce prix-là dans les usines. Et on l'a, c'est pour vous dire, on l'a facturé jusqu'au dans, il y a encore là, on est toujours facturé à 12 jusqu'au 14 janvier, ça va être ça. Nous, nos pompiers, on leur donne en moyenne 24 piastres. C'est-à-dire que la municipalité, à toutes les fois qu'il fait une sortie, ben, elle perd 12 piastres. Je pense qu'il faut ajuster le prix, puis ça doit être fait. Donc, on va attendre, on va voir. On est juste la moitié, il manque la moitié. C'est ça. Fait qu'on va avoir un suivi, c'est sûr, sur ce dossier-là. Parfait que la MRC, ça en est. Au point 8, transport, 8.1, transport, demande d'éclairage public. Et c'est une demande qu'on a eue il y a quelque temps pour la pose d'une lumière au coin de la rue
Foyer Sud. Foyer Sud. Et puis, après vérification, effectivement, il y a un manque d'éclairage dans ce secteur. Et puis, je pense que tout le monde était d'accord qu'on installe la lumière qui était demandée. Un endroit, il y avait eu des suggestions à deux, trois endroits, mais je pense que la plus propice est celle qui a été regardée avec les membres. Foyer Sud, puis la voie de l'église, oui. C'est ça. Ouais. Juste au coin du cimetière. Il y a déjà un poteau, là. Oui. Ouais. Ça me prendra un proposeur pour accepter la pause de la lumière. Jean-René, oui. Francine. Merci. Au point 9, 9.1. Budget régie intermunicipale. Vous avez vu le budget. Je ne sais pas si Simon, tu veux nous en faire un bref résumé. C'est la différence entre le code-part de cette année. Vous me direz si je me trompe, là, parce que ça ne fait pas trop longtemps que... Oui. OK. On est à 60. Ça nous coûte 68 662,94, une augmentation de 3,9% de l'année dernière. Par contre, avec... c'est où que... Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? 68 662,94. C'est la poste de fermeture. En fonctionnement, on... Pour Saint-Pamphile, on paie 84 415,83. Pour le poste de fermeture, on paye 9 983,25. Mm-hmm. Ça, c'est l'ancien site qu'on avait déjà, qu'on est en train de fermer. S'il n'y a pas de problème, d'ici à l'année prochaine, si l'environnement, tout est d'accord, il ne devrait pas avoir de frais pour ce site-là. Okay. Puis rémunération, 2635. Pour un total pour 2016 de 97 034,8 moins 28 371,14 qu'on y est doté des les surplus accumulés de la régie qu'on paie pour toutes les autres municipalités aussi. Pour un total de 68 662,94. C'est ça qui donne ça. C'est ça, qui donne notre total de l'année. Vous avez d'autres questions? Non. Ton 28 000, là, il est comme nous, dans le surplus des autres? Oui. Ça, c'est notre compte, c'est ça que j'ai compris? Okay. Oui, c'est ça. On a, on a sorti 56 000. Okay. Autres, c'est 28 000 à nous autres. Ah, dans le fond, ils vont par le pourcentage qu'on paye. Justement, en plein ça, oui. Au lieu de leur charger à municipalité pour cette année, vu que. Le surplus était quand même accumulé, était quand même bon, puis le tenir un montant fixe. Mais que le site soit. Il est fermé, là. Le suivi, moi, d'après moi, il n'y a pas du temps où le suivi va se faire là, je pense. C'est mais bon, beaucoup ça. Moins dispendieux. Ouais, là, ça va être juste des petits sondages. Tu vas avoir demain des analyses à aller chercher en bois au petit lac. Oui, c'est ça. J'ai trouvé le dossier, le petit lac est encore là avec un regard. Pour voir comment. Oui. Je pense qu'on va avoir. L'environnement va aussi dans le dossier, c'est sûr. Bien, beaucoup moins cher, là. Oui, j'espère. Fait que c'est ça. Oui. Ma fille, si tu peux négocier ça. Fait que c'est pas mal ça qui est pour le budget de la régie intermunicipale. OK. C'est sûr que moi, pour ce dossier-là, j'aimerais bien dire aux gens, aux citoyens, plus vous récupérez, moins ça va coûter cher. Fait que c'est ce qu'on parle peut-être dans un avenir rapproché d'essayer d'inciter les gens à. On ne sait pas comment on s'y prendra, mais inciter les gens à récupérer le plus possible. La récupération coûte pratiquement rien le char à la municipalité. Mm. Alors, si on pourrait aller chercher un pourcentage plus élevé encore en récupération, bien là, peut-être qu'on pourrait, peut-être, à un moment donné, baisser nos coûts d'ordures. Je pense qu'il va falloir se trouver un moyen pour inciter les gens à récupérer beaucoup plus. Compost, tout. Vous voyez, déjà, Luc, c'est un dossier qui a travaillé un bon bout. Mm. On a un bac à sang. Puis vous voyez, l'hiver n'est pas commencé, puis on me faisait part qu'il était déjà plein. On va le vider. Ça, c'est de la cendre, c'est pesant dans nos vidanges. Alors, si on peut éliminer ces choses-là,
On va avoir la possibilité un jour de peut-être baisser les coûts. Oui. Ça fait de la cendre de moins sur le bord du chemin qu'on voit partout. Vous savez. Bon, ben, ça me prendra un proposeur pour l'acceptation du budget de la régie intermunicipale. Proposé. Luc, appuyé de Francine. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, budget OMH 2016. Je vais laisser Richard vous faire part du budget. Bon, le budget 2016 prévoit des revenus au niveau de l'OMH de 86 440. Des dépenses au niveau de l'administration, 11 832. Conciergerie, entretien, 24 237. Énergie, taxes, assurance, sinistre, 37 341. Remplacement, amélioration, modernisation, 800. Le financement, 8 431. Excusez. Service à la clientèle, 5 360, pour un total de dépenses, 88 001. Qui laisse un déficit de 1 561, partagé à 90% société d'habitation pour 1 405 et la municipalité, 156 pièces. Fait que grosso modo, pour l'office municipal, la ville aurait une contribution prévue de 2016 de 156 $. Évidemment, c'est beaucoup plus bas que dans le passé parce que le financement de la bâtisse, comme tel, est fini de payer. Les financements qui se sont faits là, c'est des rénovations. Là. C'est vrai que c'est beaucoup moins important. On va accepter le budget de l'OMH. Mm-hmm. C'est oui, Marlène, pour l'accepter? Oui. Appuyé de Jean-René. Oui. Moi, j'aimerais ça, Richard, peut-être que tu donnes un peu d'informations sur ce qui peut se passer dans les prochains mois à propos justement des offices. Il y a un projet de loi 83 qui a été déposé la semaine dernière par le ministère, qui comprend entre autres des choses pour les municipalités, mais qui comprend aussi la possibilité à courte échéance que le gouvernement passe un décret pour décider du regroupement des offices municipaux d'habitation, normalement au niveau des MRC ou un regroupement d'offices municipales, mais probablement au niveau des MRC. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils vont adopter cette loi-là, tous les offices municipaux locaux vont disparaître pour être transférés à la MRC, qui aura la responsabilité de la gestion de tous les offices municipaux sur son territoire. Donc, localement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont disparaître. Ouais. Ça va être géré de façon régionale, à la volonté du gouvernement. Exactement. Moins personnalisé, c'est-à-dire. Ben, normalement, quand tu éloignes le service, ton service de proximité est moins évident. Il va être touché, moi. Et les dépenses dans le milieu aussi. Mm-hmm. Parce que si on prend les dépenses qu'on a faites en amélioration cette année, j'ai envoyé des chèques pour 49 000 piastres dans le milieu là, ce matin. Mm-hmm. Quand ça va être géré au niveau de la régionale, ben, je ne suis pas sûr que ça va tout à fait revenir dans le milieu. Ouais. Le gars va faire une soumission pour global. En tout cas, c'est ça. L'état de la situation, c'est ça. Normalement, on devrait probablement savoir le redécoupage du territoire vers le mois d'avril-mai, quelque chose comme ça. Mais à partir du moment où ils vont passer le décret, les offices municipaux locaux vont tout disparaître. Là. Ici, il y avait trois administrateurs de la municipalité qui étaient sur ce conseil d'administration-là avec quatre autres personnes. Ça va être. On va dire par nos jobs. Vous allez toutes par vos jobs pas payants. Ils ne veulent plus nous avoir. C'est, merci, Richard, d'information. Ça fait partie des volontés gouvernementales. Exact. Des gros changements. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, offre de service, office du tourisme. C'est une offre de service que l'office du tourisme de la MRC nous avait été proposée. C'est que, en plus de notre quote-part que l'on donne annuellement, l'an passé, on avait donné un montant de 5 000. Cette année, je peux m'avancer, après discussion, on avait dit qu'on ne renouvellera pas notre entente d'offre de service. La simple raison, c'est que nous, pour cette année, on pense qu'on va garder cet argent-là dans un dossier tourisme et qu'on va y aller un peu localement, directement nous-mêmes. Qui fera le choix sur quoi qu'on investira pour cette année. Si vous êtes sur d'accord, les besoins qui vont On a eu plein de projets. Oui, c'est ça. Fait que de même, on pourra peut-être se servir de cet argent-là pour en faire un. Ouais.
C'est beau. Ça me prend un proposeur. Clermont. Secondé. Francine. Point 11.2. Réponse au Club de Motoneige. Il y a quelque temps, le Club de Motoneige était venu nous rencontrer pour nous faire une demande de pouvoir avoir la, qu'on autorise la circulation dans les rues et les rangs de la municipalité. On nous avait énoncé des municipalités qui disaient qu'ils avaient autorisé cette circulation-là. On a vérifié, après, Richard a vérifié avec certaines municipalités, et ils n'ont pas de règlement. C'est permissif, c'est juste permis de circuler, laisser libre, mais il n'y a aucun règlement qui est... Bien, il y a des règlements, mais semblables aux nôtres. Comme nous autres. Qui permettent d'avoir accès à un dépanneur, au coucher, au motel, des choses de même. Des services. Mais c'est des endroits précis et non à tout le territoire de la municipalité. Exactement, exactement. Ceux qui le font sur le reste du territoire de la municipalité, bien, ils font comme les gens ici, à leur risque et péril. C'est ça. Fait que nous, pour avoir gardé, même, on avait eu une demande des VTT le mois passé, vous savez qu'on a dit qu'on restait statu quo sur qu'est-ce qu'on avait déjà permis, l'accès. On a donné accès, au, comme Richard a dit, à l'hébergement, au restaurant, service de réparation. Réparation et tout. Je pense qu'on va rester sur ce statut-là, qu'on n'augmentera pas la circulation permise dans les autres rues ou rangs. On reste au même point qu'on était il y a l'an passé. Si vous êtes toujours d'accord? Oui. Un proposeur. Francine. Jean-René? Oui. Merci. On serait rendu au point 12. 12.1, la liste des permis. Monsieur Normand Vaillancourt, Madame Violaine Moreau, David Côté, Roby Thibodeau et David Lacroix. On aurait un proposeur pour la liste des permis. Proposé. Luc, appuyé de oui. Simon. On s'est rendu à 13 finances. 13.1, les comptes à payer. Richard. Journal des déboursés, électricité plus, 343,78. Construction BML, 1379,39. Hydro-Québec, 2431,98. Interface, 3519. Robert Boileau, 310,43. Hydro-Québec, 9466,26. TELUS Mobilité, 98,19. TELUS Communication, 269,41. ACPAR NCA, 135. Une deuxième fois, 45. Alexandra Dupont, 103,66. Hydro-Québec, 2664,2. L'Aigle et Forestier, 979,56. Pour un total de 21,726,87. La liste des comptes fournisseurs, Agence douane revenu Canada, 4673,48, Air Liquide Canada, 220, Alex Coulombe, 829,88, Ambulance Lille-Sud, 57,73, Antilles Automobile, 286,1, AQ-AIRS, 60, Aérofeu, 378,27, Arsenault, 14,75 crédit, Association québécoise, 258,69, Batterie du Québec, 156,31, Marie-Louis Bélanger, 20, Édith Blanchette, 397,2. Martin Blanchette, 125. Jacques Bois, 10 000. Boivin Gauvin, 1321,93. Annie Boucher, 171,50. Maude Bourgault, 180. Bureautique Côte-Sud, 373,88. Camillon Hinault de Lévis, 425. Mylène Caron, 221. Nicolas Caron, 128. Cégep Lapocatière, 258,69. Centre Mécanique, 245,26. Joël Chouinard, 104. Langer Chouinard, 369,22. Les compteurs Lacombe, 398,91. Concassage Marcil, 783,21. Journal Loi Blanche, 213,57. Coopérative Solidarité, 20 $. Copra, 1182,29. CEC Incendie Sécurité, 230,84. Distribution Brunet, 3026,23. Jonathan Dubé, 100. Rémi Dupont, 52. L'Écho d'en haut, 479,63. Entreprise Denis Leblanc, 29,303,85. Fédération québécoise des municipalités, 326,76. Fonds de solidarité FTQ, 374. Fromagerie Port-Joli, 985,50. Léonard Gagnon, 439,37. Guy Luron, 153,57. Garage CS Blanchette, 121,87. Garage GMP, 253,63. Garage Rosette Thibodeau, 57,75. Garage Yvon Vaillancourt, 20 $. GHD Consultant, 85,8. G. Bourgault Service, 20.
Groupe Sport Interplus, 111,46. Guy Chouinard TV, 486,24. Hockey Québec, 303,72. Hydro-Québec, 1680,34. Impression Rive-Sud, 68,99. Charles Caron, 10,38 au crédit. Jean-François Labonté, 38,52. Laboratoire Environex, 907,44. La Brasserie Labatte, 5158,38. La Jeune de Compagnie, 45,99. La Maison du Bijou, 785,67. Justine Lanlois, 707,32. La Patate Rive-Sud, 384. L'Authentique Pause Café, 117,24. Le 550 Al Multiservice, 20. Annie Leclerc, 171,50. Alain Leclerc, 359,95. Les Alliés de Montmagny-Lillet, 2000. Les Éditions Juridiques, 243,76. Les Huiles L'Or, 590,83. Les Textiles Gauvin, 13,46. Logilis, 59,50. Magasin Coop, 4138,18. Matériaux Blanchette, 1631,8. Maurice Jalbert, 157,52. Mercerie Région Gauvin, 102,96. Les 16 Revenus du Québec, 12408,89. M. Lemieux, 586,84. Gaétan Moreau, 197,95. Anne-Marie Morneau, 99. MRC de Lillet, 1500. Novicom, 295,16 au crédit. L'Office du Tourisme, 1250. Patinage Canada, 1210,27. Pelletier électrique, 6967,85. Pelletier Guillaume, 25. Pascal Pelletier, 142,37. Stéphanie Pelletier, 449,40. Richard Pelletier, 208,60. Pharmacie Isabelle Caron, 64,36. Pièce d'auto GGM, 37,70. Pièce et accessoires, 14,89. Plomberie Martin Pelletier, 56,5. PEG Solutions, 720,89. Régie intermunicipale gestion des déchets, 18 678,30. Restaurant chez Régent, 180,35. Roger Gauvin Incorporé, 20. Roland et Frères, 1414,42. Société de l'assurance automobile, 92,35. Sani et Chemin, 1148,32. Service incendie, 1152,48. Service JO, 20 $. Service de protection Kamouraska, 37,76. Service sanitaire Roi, 961,67. Signalisation Lévis, 68,88. Techno Pneu, 1087,66. Telus Mobilité, 443,57. TH Pelletier, 6460,44. Transport Saint-Pamphile, 2730,21. UAP, 1693,87. Usinage JS, 27,47. Francis Vianco, 82,78. Mélanie Vianco, 96. Variétech, 20. Joël Vitalis, 204,22. Webmark Solutions, 132,22. Westburn, 110,8. WG Technologie, 19,035,61. Pour un total de 162,038,57 sous. Est-ce qu'il y a des questions à propos du journal des déboursés et des comptes fournisseurs? Non. S'il n'y a pas de questions, nous prenons un proposeur. Propose. Luc, appuyé de? Francine. Francine. Moi, juste donner une information, des fois, on ne le dit pas assez souvent, mais juste pour vous dire que les comptes sont tout le temps, on se demande s'il y a une vérification qui est faite. Je pense que, juste pour vous dire que Richard voit tous les comptes, Alexandra passe aussi. Moi, je signe les chèques et il y a deux conseillers qui font la vérification des comptes à tous les mois. Okay, c'est juste vous informer que, oui, il y a tout le temps un suivi de là-dessus pour une meilleure vérification. Puis je pense que c'est un vouloir même du comptable aussi, qu'il y a des gens qui vérifient les livres. Et on fait ça depuis quelques temps. Puis je pense que ça va très bien. Oui. Puis merci aux deux conseillers qui se payent ça avant, de leur temps. Ils font du sur-temps, des fois. On passerait au point 14.1, correspondance, invitation de l'Alphys. C'est, comme à tous les ans, la fête de Noël, l'Association des loisirs de personnes handicapées de l'Île-de-Sud font leur souper annuel le 13 décembre à la salle de l'Orgeur Saint-Propetit. C'est un souper et une soirée dansante avec M. Richard Boissinotte. Juste pour vous dire, il y aura aussi, lors de la soirée, un mini-concert de la chorale de l'Alphys en collaboration avec Mme Yvonne Boyce et l'Orchestre des Hauts-Bois. Les prix des billets sont à membre 12$ et 14$ pour les nombres. Normalement, on participe à cette activité. Je pense que Marlène t'a sollicité peut-être ton intention d'y aller.
Si vous êtes d'accord, on paye deux cartes, s'il vous plaît. Oui. Opposé. Oui. Luc, Francine. Oui. Et je pourrais rajouter, si vous, tu me permets, oui. peuvent, les gens qui veulent y aller, ils appellent Marie-Josée Bélanger à l'Alphys à 356-2011. Il y a des cartes à vendre. Et je les entends chanter, le chorale, ça va être très intéressant. Merci, Marlène, de l'information. Au point 14.2, consigne Yoko. Eh bien, c'est une firme qui va nous faire part de demander notre appui aux gens de faire la récupération des canettes et des bouteilles consignées. Je pense que c'est important de continuer à le faire. Vous avez entendu parler qu'à un moment donné, il était peut-être envisagé de mettre un terme à ça, les consignes sur les bouteilles. Mais je pense qu'eux ont fait des comptes et vous voyez, je peux vous donner juste, pas vous énumérer trop de chiffres, mais la consigne demeure le seul système qui permet de recycler la matière à 100% avec un tri à la source, sans mélange et sans contamination. Juste pour vous donner une idée, 71% du taux de récupération des canettes à Saint-Saëns, 83% du taux de récupération des canettes à Vincennes en 2014. Alors, vous voyez, ça vaut la peine de récupérer et ce matériel-là ne se retrouve pas dans la récupération. Je pense qu'il faudrait inciter les gens à récupérer leurs canettes, consigner surtout. Et ce serait très apprécié. C'est cette entente avec cette association a pour but non lucratif de créer, sous l'impulsion des brasseurs du Québec et du Recycle Québec, souhaite apporter un éclairage important à sensibiliser votre municipalité à l'importance de consolider un système qui a fait ses preuves. Alors, on vous demanderait si vous pouvez récupérer les bouteilles consignées et les canettes. Au point 14.3, Maison de la famille. Eh bien, c'est pour... cette lettre nous fait part qu'il y aura aussi cette année la préparation de paniers de Noël. Il est déjà temps pour nous de préparer l'opération panier de Noël 2015. Et oui, malgré l'automne qui semble s'installe tout juste, nos pensées sont déjà avec nos bénéficiaires moins bien nantis qui espèrent, comme toute la population générale, passer un merveilleux temps des fêtes et manger à leur faim. L'an passé, 89 familles ont bénéficié d'un panier de Noël pour un total de 109 adultes et 67 enfants. Si vous acceptez de nous aider, veuillez, s'il vous plaît, faire votre chèque à l'ordre de la maison de la famille de la MRC en précisant panier de Noël et l'acheminer à cette adresse, au 21 rue principale Saint-Pamphile. Et il est important de nous indiquer si vous voulez recevoir un reçu d'impôt qui pourrait être émis pour des montants de plus de 25 $. Alors, si les gens, vous voulez aider la Maison de la famille à faire des beaux paniers de Noël pour les gens qui sont dans le besoin pour Noël, alors on vous inciterait à leur en faire part et leur envoyer vos dons ou, je ne sais pas s'ils récupèrent les produits denrées non périssables, oui. Je sais qu'il y a des sacs à l'épicerie aussi que tu peux acheter en faisant l'épicerie. Oui. Il y a déjà des denrées dedans. Alors, en fait, aussi, vendredi passé, on fait une belle cueillette. Oui, c'est au coin, la guignolée, oui. Mais on a encore besoin d'argent. Au point 14.4, téléphonie cellulaire, eh bien, vous avez vu dans les journaux qu'il y a une campagne qui est faite pour présentement. Il y a même une pétition qui est sur Facebook aussi pour aider à amasser le plus de noms possible, le plus de participants, pour nous aider à corriger le problème qu'on a de communication avec les cellulaires dans notre région. Vous savez que dans certains coins de notre municipalité et de la région, on ne dit pas, ici la recommandation était de la MRC de Lillet, mais je pense que c'est tout le territoire de la MRC qu'il faut considérer. Et à certains endroits, il n'y a pas de communication et même le service 911 ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que vous voyez présentement dans les journaux la campagne cellulaire, téléphonie cellulaire.
Et la MRC nous a proposé une résolution, je vous en fais part, considérant que le problème de communication par téléphone cellulaire dans la MRC sont persistants et qu'aucune amélioration n'a été affectée durant les dernières années par les différentes compagnies de communication, considérant que le service de communication par téléphonie cellulaire sont considérés aujourd'hui comme étant essentiels tant au point de vue personnel que professionnel, considérant que les différentes compagnies de communication vendent des téléphones cellulaires et des abonnements à des usagers sans en garantir le service, considérant la disponibilité de services de communication est un facteur de localisation géographique important, considérant que la MRC de Lillet est en train, on trouve un certain nombre de travailleurs forestiers et que, pour assurer leur sécurité et en cas d'urgence, la disponibilité de services de téléphonie cellulaire est importante. Considérant que le service 911 ne fonctionne pas et ou avec difficulté sur certaines portions du territoire rendant ces zones plus vulnérables en cas de situation d'urgence. En conséquent, il est proposé, appuyé et résolu à l'unité de demander au CRTC d'obliger les différentes compagnies de télécommunications d'assurer un service en communication cellulaire dans la MRC de Lillet et pour l'ensemble de la population. De demander à l'entreprise TELUS Québec d'offrir un service adéquat en téléphonie cellulaire dans tout le territoire de la MRC et en particulier dans le sud de l'île, mais moi, je pourrais vous dire que c'est à la grandeur de la MRC. Pour ce qui est du CRTC, on a appris que TELUS n'est pas géré par le CRTC. Non. C'est privé, non, c'est privé. Alors, ils ne peuvent pas. Il y a d'autres compagnies de communication qui sont gérées par eux, mais eux ne le sont pas. Alors, ils ne peuvent pas les obliger. La CRTC ne pourra pas les obliger, sûrement pas. Okay. Mais je pense qu'il faut y aller avec tous les moyens qu'on peut se permettre. Je vous dirais que présentement, il y a des contacts qui sont faits dans les autres MRC en voisinant, les deux, trois chaque côté de nous sont intéressés aussi, à embarquer dans le même dossier que nous. Ils ont des problèmes, eux aussi. Et beaucoup de gens ont été contactés. Il y a un comité qui s'est formé. M. Robin Caron est le président du comité sur ce dossier-là. Il y a d'autres membres aussi qui sont autour de la table. Et on a l'aide de la MRC et du CLD aussi qui sont présentement dans le dossier. Mm. Fait que le CLD va faire une partie de son travail et le comité local va continuer son travail pour aller faire suite à la bonne marche de ce dossier-là, parce que c'était important. Ce dossier-là avait été, il y a deux ans, mis en marche, mais il avait perdu de l'air. Je pense que cette année, la période est bonne, puis beaucoup de gens s'impliquent dans le dossier. Ils ont réussi à parler au président de la région, là. Fait que ça va donner une chance aussi. Mais vous savez qu'on s'attaque à une grosse machine. Mais je pense que plus qu'on va être à participer à cette chose-là, je pense qu'on va essayer de... En tout cas, s'ils nous entendent, c'est déjà un plus. Tu as dit que la pétition est disponible sur le site de la municipalité aussi, là? Ouais. Sur le site de la municipalité, problématique d'accessibilité du réseau cellulaire. C'est en vert sur le côté, mm-hmm. dans vous cliquez là, et puis ça vous amène au sondage, mais la pétition. Ça prend une adresse courriel. Quelqu'un, faut que tu mettes ton adresse courriel, puis tu reçois l'acceptation comme de ton... Après avoir été là, vous pouvez la partager avec d'autres, ainsi de suite. Fait que je pense que vous nous disiez tantôt qu'il y avait déjà peut-être 400 signatures. 400, ouais. Ils ont déjà 2000 signatures en main. On va avoir beaucoup d'organismes ont été sollicités. Nous, la Ville, on a envoyé des communiqués aux industries du coin et à tous les intervenants. Je pense qu'on a eu une belle réponse. Puis merci aussi de l'appui des gens de municipalité. Fait que moi, là-dessus, ça prendrait proposeur pour la résolution. Le député... Ils ont été mis au fait. Ouais. Okay. Ouais. Francine. Marlène. Appui de Marlène. C'est 14.5, représentant comité conseil et d'établissement. C'est
au conseil d'établissement de l'école secondaire, la rencontre. C'est pour qu'on ait un représentant qui pourrait siéger sur le conseil d'établissement. Il y a cinq réunions qui sont prévues dans l'année. Je pense que Jean-René t'avait sollicité un peu l'intérêt de d'être là. Ça me prendrait un proposeur pour Jean-René. Simon, appuyé de Luc. Merci. Au point 14.6, Fondation Santé, Service de Santé, c'est la sollicitation dans le cadre du 14e édition du tournoi de golf Coup de cœur au profit de la Fondation des services de santé de la MRC, qui aura lieu le 15 août 2016. C'est, on a ici, dans le document, les informations pour les montants, pour les commandites, et, qui partent de 250 à 3000 $ 3000 et plus. Si les gens sont intéressés à participer à cette collecte, faire parvenir vos poster votre chèque ou cette feuille, on pourrait vous fournir la feuille à la Promutuelle de Montmagny-Lillet, succursale Saint-Jean-Port-Joli, au 600 route de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli, GOA3GO. Nous, normalement, on participe au tournoi. C'est notre sollicitation. Pas sollicitation, c'est notre contribution. Au point 14.7, souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, qui aura lieu le 6 février à 18h à l'école Louis-Jacques Cazot. Pour vous dire, je pense que c'est... À tous les ans, on envoie deux personnes à ce souper-là pour représenter la ville. Si vous êtes toujours d'accord, on choisira plus tard qui y ira, mais au moins réserver des cartes pour la municipalité. Proposé par Luc, appuyé de Marlène. Au point 14.8, École Saint-Joseph. C'est une lettre qui nous vient de Mme Diane Robitaille. Aux membres du conseil, nous profitons pour la période des fêtes de vous remercier sincèrement de votre belle collaboration dans le développement de certains de nos dossiers scolaires. Nous tenons plus particulièrement à remercier votre collègue représentant, M. Pelletier, par son implication. L'apport considérable, principalement dans notre projet de parcours scolaire, fut grandement apprécié. Votre collaboration témoigne d'une bonne volonté de votre part à aider nos jeunes et à les encourager dans leur parcours scolaire. Au nom de l'équipe École et en mon nom personnel, je tiens encore à vous remercier. Nous vous sommes très reconnaissants et nous souhaitons un joyeux Noël. Que la bonne année apporte à chacun de bonheur, paix, santé et la réalisation de vos vœux les plus chers. Au plaisir de collaborer avec vous pour de nouveaux projets. Madame Diane Robitaille, directrice. Moi, je voudrais remercier Simon qui a travaillé sur certains dossiers durant l'année. Ils ont abouti. On est venu à des résultats qui sont, je pense, intéressants. Donc, merci, Simon, d'avoir travaillé sur ces dossiers-là. Et nous, on souhaite à l'école des joyeuses fêtes aussi. C'est réciproque. Au point 15, le tour de table des élus. Tu n'as pas 14.9 avant, 14... budget 21 décembre? Non, c'était à la fin. Ah, à la fin, OK. Tour de temps, Clermont, est-ce que tu voudrais commencer? Nouveau voirie, on a fini l'automne en faisant des fossés un peu. Oui. Rennes Moreau, on a fait un bon bout, là. Oui. Après ça, parce que ça aide à le printemps, là, c'est supposé de chasser plus vite nos chemins, puis on va voir le résultat au printemps prochain. Après ça, on s'est pratiqué un petit peu pour l'hiver. Là. On commençait à se pratiquer un petit peu la semaine passée. Oui. Sortir le grès d'or, puis... pas le grès d'or, mais le petit tracteur. Puis après ça, là, puis là, ils font du... Là, ils sont dans des compteurs d'eau, là. Puis, au niveau du transport adapté, France m'a appelé à midi. Notre demande est en train de se faire étudier. On est convoqué le 13 janvier à la commission des transports pour qu'ils nous veulent. En tout cas, bon, ils sont sur notre dossier. Là. Okay.
On va essayer de prendre des informations ailleurs, là. Il y en a qui n'ont eu des permis de même, là. Pour voir comment ça se passe un peu là-bas, là, pour se préparer d'avance, là. Fait que j'imagine qu'on on devra l'avoir. Puis on va avoir tout l'hiver pour faire notre préparer nos circuits. Puis j'aimerais ça que ce printemps, le printemps prochain, on décolle, on parte de quoi là-dedans, là. Faut vous tenir au courant. Merci Clermont. Mais du côté voirie, bien, vous savez qu'on est en période budgétaire, fait que on va parler de voirie bien, prochainement. Ah oui? Le budget sera là. Je voulais t'avertir à propos. On va être là. Simon, vous avez quoi de particulier? Il est déjà au courant des budgets de voirie. Oui, moi je vais revenir avec le trajet scolaire, justement. C'est beaucoup les grands-parents, des fois, ou les gardiennes, ou les mononcles qui vont porter, des fois, les enfants qui ne savent pas trop le trajet. Fait que quand tu es sur la rue d'Église, tu prends la rue Desjardins, tu revires à droite sur la rue La Jeunesse, puis tu redescends sur la rue du Collège. Il y a beaucoup de parents qui arrêtent, ils ont des petits-enfants de première année ou maternelle qui vont les porter. Mm-hmm. C'est normal aussi, c'est des tout-petits. Peut-être essayer de se parquer devant l'école, quelque chose, pour laisser l'accès libre pour que le monde peut y attendre pas une 5-10 minutes pour pas passer à côté des autres, le temps qu'ils reviennent à leur auto pour qu'ils repartent. Fait que, on va mettre, je vais l'envoyer pour les cours d'en haut, le trajet. Fait que ça va donner pour les grands-parents, puis les gardiennes, tout ça, aussi un bon point de vue. Je vais revenir encore pour les affaires scolaires, les policiers sont venus le 16 novembre, ils ont remis des petits pamphlets comme ça pour la sécurité, pour les piétons, tout ça, avec les brigadiers ici au coin de l'église ici, aux quatre coins. C'est pour sensibiliser un peu, faire attention aux brigadiers, puis le respect qu'ils ont envers ces personnes-là. Ça a été donné aux enfants. Non, aux personnes en auto. Ils arrêtaient, il y avait deux autos de police, puis ils arrêtaient les autos, poche les autos, le monde qui chauffait aussi. Puis ils donnaient un petit pamphlet pour les sensibiliser. Parfait, ça. Ils devraient revenir, je crois, au mois de la semaine prochaine. Mm-hmm. Puis pour finir, j'aimerais remercier tous les citoyens qui participent en grand nombre avec le bac de cendre. Ça m'a surpris la semaine dernière. Moi-même, j'ai été porter ma cendre, puis le bac était au 3/4, fait que... Mm-hmm. Je vous remercie beaucoup. C'est des coûts de moins qu'on a dans nos déchets, tout ça. Fait qu'avec des petits peu comme ça, c'est comme ça qu'on peut venir avec une baisse de nos ordures à un moment donné qu'on cherchait tantôt comment faire. Mm-hmm. Fait que je vous demande de ne pas lâcher puis de continuer, puis c'est un bon signe. Puis en passant, moi, je vous souhaite des joyeuses fêtes, puis de la prudence, puis une bonne et nouvelle année, parce que moi, on ne se reverra pas nous autres d'ici en 2016. Merci. Marlène? Oui. Bonsoir. Je vous invite à venir voir l'exposition au Centre culturel Godendard. Il s'appelle « Le village Sylvain », notre exposition. C'est une belle salle. Vous allez rester estomaqué de voir la beauté qu'il y a dans cette salle-là. Je veux que vous venez voir ça avec vos petits-enfants, les grands-parents. Il y a de l'émerveillement du début. J'ai ouvert la lumière aujourd'hui, là, j'en revenais pas. Donc, il y a un bel petit événement à venir en famille pour s'amuser. Et l'autre salle, on a fait un montage de patrimoine de notre région en photo. C'est très intéressant et souvent, c'est des gens qui ont l'occasion de venir dans le temps des fêtes puis de voir ces belles photos-là. Il y a toujours aussi l'exposition à M. Albert Sataman qui est dans une autre salle qui est très intéressant. Je vous invite à venir les vendredis. À tous les vendredis, il y a quelqu'un au bureau de 9h à midi et de 13h à 16h. Et les dimanches de décembre, on est ouvert de 13h à 16h. De 13h à 16h. 16h, c'est 4h, c'est ça? OK, 4h. Et donc, je pensais que c'était à 3h, mais ça a l'air à 4h. Donc, ça va être très agréable de vous accueillir. Et il y a une belle participation bénévole dans ces expositions-là
vous pouvez être assuré. Je veux revenir, on a eu une belle activité de famille dimanche pour notre Père Noël. On a eu une belle participation et ce fut très agréable. Les enfants ont adoré, nous autres aussi. On a eu un beau Père Noël qui a donné des beaux cadeaux. Et je crois que les enfants attendaient notre Père Noël de longue haleine. Puis aussi, il y a une belle... il y a la chorale de Marc-André Caron qui vient dimanche à l'église. Et c'est les profits pour la fabrique. Donc, si jamais que vous avez l'intention d'y aller, vous pouvez acheter votre carte à l'entrée et ou appeler à la fabrique pour réserver votre billet. Merci. Il n'y a pas de journée pour... Une journée? Entre les fêtes, là? Pour le patinage des fêtes, oui, c'est vrai, je suis en train d'oublier ça. Oui, c'est ça. Il y a le patinage des fêtes, c'est quelle date, ça? Je ne sais pas. attendez un petit peu, là, c'est le 29, je crois. Ouais, le 29 de décembre. Mais vous allez voir des annonces, on a le temps de annoncer. Ah, merci. C'est toujours très agréable, c'est toujours à partir de 5 heures. Moi, je ne pense pas que ce soit le 29, je ne me souviens pas non plus. Mais nous autres, on a une activité, mais bien, je pense que c'est le 29. Le 29? Est-ce que c'est sur semaine d'habitude? C'est le 28 ou le 29? Est-ce que je n'ai pas pris en note? Ouais, quand plus le 28. C'est en décembre. C'est le 28 de décembre. Ah, c'est pas de problème, je t'ai trouvé. T'es pris de court. Je pense que oui. Non, on va vérifier la date. Oui. Pas de problème. Je le dirai la journée. Le 21. Ah, le 21. Moi, j'ai un peu le temps d'en reparler. On va voir la date plus en tête. Merci. Francine? Bon, nous autres, on travaille sur le budget pour les sentiers pédestres. Ouais. Puis la Sodipa, c'est comme on disait tout à l'heure avec Mme Cécile. Bon, on continue la publicité, les promotions pour essayer de faire venir une entreprise nouvelle dans Saint-Pamphile. Fait que ouais. On incite les gens aussi, s'ils connaissent des gens là, qui peuvent être intéressés à se partir d'une entreprise ou quelque chose, leur faire valoir là, que ce serait le fun qu'ils viennent s'installer chez nous. Oui. Puis j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à la population, puis d'être prudent parce qu'on veut vous revoir en 2016. C'est sûr que, comme on disait tantôt, la publicité que vous faites à 50 000 $ possible, là, mais c'est un incitatif à venir s'installer à Saint-Pamphile. C'est surtout ça. Là, on n'est pas les seuls à essayer d'amener des industries dans nos régions. Là. Toutes les municipalités dans notre coin essayent de trouver des trucs. Je pense que l'équipe de Sodipa font un bon travail réellement, présentement. Je pense que ça, à un moment donné, ça va apporter des fruits. On a fait la publicité dans le Journal des affaires, puis on regardait peut-être pour le Journal du Québec. En tout cas, on regarde plein de possibilités. On essaie de voir ce qui serait le plus percutant, là, qui serait le plus accrochant, c'est ça. C'est beau. René? Oui, moi, au niveau des sports et loisirs, c'est sûr que c'est un mois un peu moins achalandé. On est un peu dans la transition des saisons. Oui. Ça va mal en raquette de cet incite puis en ski de fond. Fait que mais il y a toujours Ouais. Mais il y a toujours notre hockey senior qui a des matchs locaux ce mois-ci. Fait que je sais qu'ils sont sur une bonne lancée de 2 victoires, certains en 2 matchs en fin de semaine. Trois de fil. Fait que c'est du très bon hockey qui nous présente de cet ainsi. Fait que j'invite la population à venir les voir jouer à l'aréna de Saint-Pamphile. Prochain match le 19 décembre. Merci, Jean-René. Luc? Au point de vue sécurité civile, le dossier est en progrès. Là. On est en train de rentrer les nouveaux noms des personnes qui vont avoir affaire là-dedans. Puis les contacts qu'on a à Québec, puis toutes les choses au cours où on aurait des gros dégâts. Là. Oui. Et puis j'aimerais répondre à Mme Cécile à propos des états du rang des Moreaux. Durant les Gagnons. Durant les Gagnons, oui. J'aimerais lui dire que l'eau qui sort au bout du quatrième petit lac qu'il y a là, elle est testée régulièrement. Oh. Si je ne me trompe pas, c'est deux ou même peut-être 4 fois par mois. C'est au moins 2 fois par mois. Au moins 2 fois par mois. Et que nous avons des normes à respecter avec l'environnement. Et puis que l'eau qui sort au bout de ça est assez pure pour être bue. Alors, ce qui s'en va dans le petit ruisseau qui est au bout de ça, là, ça ne fait pas mourir les poissons.
Je ne sais pas pour être vu, mais elle est conforme aux normes du ministère. Si elle est conforme, elle est conforme. Moi, je la verrais peut-être. Moi, je n'écoute pas. Mais elle est conforme, ça, c'est officiel. C'est ça. On a toujours eu des bons résultats. C'est ça. Merci de la précision, Luc. C'est bien. Je souhaiterais mes voeux à le 21. Oui, c'est ça. Alors, moi, avant de terminer, je voudrais rectifier une petite chose. Dans l'écho d'en haut, dans notre parti, nous, parti municipal, je voudrais vous dire qu'il y a eu une erreur dans l'énumération des salaires. Parce que si vous regardez, le compte non imposable, Bouchard, qui est de 5 000 quelques cents, il est marqué 55 000. Fait que quelqu'un m'en avait fait la remarque, puis j'ai dit, tout le monde va vouloir avoir ce compte-là. Mais c'est bien, c'est juste pour vous dire que c'est 5 000. Il y a un 5 de trop à 9. Alors moi, je vais profiter. Ah, bien, c'est vrai, on se voit le 21. On va faire les choix le 21. C'est le journalement. Alors, on va ajourner la rencontre de ce soir au 21 décembre à 19h pour le budget. Alors, moi, je voudrais vous remercier d'avoir été présent, être à l'écoute du conseil. Et on se donne rendez-vous, c'est lundi le 21. Patinage des fêtes, c'est le 30. Oh, on peut dire que le patinage, on vient de dire que la nouvelle, le patinage des fêtes, Marlène, est le 30. Tu l'as trouvé. Alors, bonsoir à tous et à la prochaine. Proposeur. Luc. Seconde et seconde.